Salut à toi, amoureux du saucisson et du Tour de France. Je suis Thibaut de la caravane Cochonou sur le Tour et nous sommes ici en plein cœur des Monts du Lyonnais à Saint-Symphorien-sur-Coise, la capitale mondiale du saucisson sec. Oui monsieur, mondial. À quelques jours du départ de la Grande Boucle 2014, le village Cochonou est en ébullition. À Saint-Symphorien-sur-Coise, on ne fait pas de politique. On fabrique du saucisson pour le Tour de France. On le goûte aussi. Alors monsieur maire, ce saucisson? Délicieux, merci. Cette année encore, la fabrique Cochonou met le paquet pour que la France entière soit comblée en saucisson cet été. Nos experts en saucisson travaillent jour et nuit depuis plusieurs semaines pour vous offrir le meilleur du saucisson sec sur les routes du Tour. Allez, venez, je vous montre. Sentez-moi ce saucisson. Admirez cette jolie robe blanche homogène. Ça, c'est du saucisson. Quelques petites tranches dans une bonne baguette et c'est le paradis garanti. Encore quelques semaines de sèche et tout ça sera prêt à partir direction le Tour de France. Cet été, Cochonou distribuera 7 tonnes de saucissons sur les routes du Tour de France. Oui, 7 tonnes. Alors autant vous dire que nos deux chevaux vont être bien chargés et que nos hôtesses ont intérêt à s'échauffer parce qu'il va y avoir du sport. Attention, fabriquer du saucisson Cochonou nécessite un effort de tous les jours. C'est pourquoi nos experts en saucisson sec suivent un entraînement intensif en vue de la préparation au Tour de France. Non. Allez Bruno, allez mon grand, non. Le Tour de France, allez. C'est 3500 km de sourire. Non, allez Bruno. Parce que le français devient vite fou sans son Cochonou, ici, au village de Saint-Symphorien-sur-Coise, on a mis les petits plats dans les grands pour rassasier le gourmand que vous êtes. On vous donne rendez-vous pour 3 semaines de folie sur les routes du Tour de France. Il y aura les deux chevaux, des bobs Cochonou, des sacs cabas et bien sûr, du saucisson sec. Yeah!